les couleurs là. On peut commencer.
It's a very big week for the Finnish production duo Super 8 and Tab. This week they're releasing part one of their new album Reformations. And they're live in the studio in Amsterdam right now. Turn it up for Super 8 and Tab. We'll be right back.
Nur One Shot. Que j'arrive pas à comprendre. 3, 6, 4, 5. J'en ai fait un de trop en bas. Non, pourtant. On va recommencer ça. Un problème. Comme ça. J'ai suivi exactement le truc là. Bordel, la fois j'atterris pas en face.
struggle in slow motion, then we fade. How do we hold on now? Can we find a way out? Will it ever be the same? Shadows coming over, memories grow cold. Silence, I don't get to hear your voice. In the chaos, in the fire, watch it blaze. Helpless, why'd you have to pin us down? We've been hiding, we've been seeking, now we're found. On peur là. We'll be right back.
m'a déboîté sa mère ce pixel art. J'avais déjà fait dans une autre version, mais alors... que j'ai un gris plus gris encore. Où le bloc de titane que j'ai pris là?
On va le squatter là, cette époque. Hein? On va le squatter là, cette époque. Je pense. J'essaie de faire d'autres builds, mais j'ai l'impression qu'à part le speedrun, les loups, si tu as le casque, le scorpion, il n'y a rien de bien. Hein. Le raptor, ça a l'air nul. Bah là, scorpion, il va être bien mieux, ce mec. Hein. 200% de duel plus en plus, mec, avec des cumules, laisse tomber. Hein. C'est abusé. Hein. De sortir ça un mercredi, quoi. Ça m'emmerde. T'as joué, t'as voulu tryhard dans 24 heures. Mais moi, je sais pas trop quoi tester là. Le truc, c'est que je testerai bien un autre perso, mais le temps de monter, c'est trop long, quoi. Surtout que le début du jeu est affreux, quoi. Ouais. Le début du jeu, c'est affreux. C'est tellement long jusqu'au level 15 que t'es ta deuxième spé. Ouais. C'est. Après, ce qui est méga fort, c'est le Necromancer là. Bah, j'ai testé là, je suis level 5-6. Au début, c'est pareil, hein. Ça va à 2 à l'heure, mec. Hein. Ah, bah, mec, je peux dire, tu peux essayer le sorcier au début. Tu pètes un câble. Hein. C'est horrible. Ouais, bah, j'en doute pas. Hein. Mais bon, c'est tellement fort par la suite, sorcier. Bah pas quand je regardais hier, sorcier, hein. Rune de Monster, hein. Ouais, mais Rune Monster, c'est pas fait pour nous, mec. On est pas assez intelligent. Non, c'est tombé, mec. Ça va casser le crâne. Hein. On est pas assez intelligent. T'as testé? J'ai pas monté haut, j'ai monté niveau 10. C'est... Oui, je peux pas voir le potentiel, mais... Ouais, il faut que tu fasses 3 sorts pour enclencher un autre sort. Ouais, c'est tombé. À quel flash tu joues FK Servo, sinon... Je sais pas trop quoi faire. Ouais. J'ai envie de tester là un nouveau perso là pour tester Viteuf, tu vois. Jusqu'à demain. Voir s'il y a pas mieux que le druide. Cela, ouais. Mon druide là, il est bien. Bah alors, level 100, je suis dépassé complet. Hein. Alors, après, est-ce qu'il faut. Je sais pas. C'est vrai, les premiers, c'est les... Lich, Rune Master, par contre. Ouais, ouais. Le premier... Non, même pas, les premiers, c'est... Les premiers, c'est des mages. Le premier, ouais, c'est un mage, hein, non? Mur de givre et tout, c'est un mage, non? Ah oui, bah oui. Je vois pas ce que c'est, le premier. Ouais, c'est un Spellblade. Ah, ok, ouais, je... Ouais, je sais c'est quoi. C'est débile. C'est un truc en fait que tu tapes très lentement, mais quand tu tapes, tu tapes 5ème. Pouf. Le premier c'est un truc comme ça. Le deuxième juste à côté c'est une liche. Bon les deux premiers ils ont trop d'avance. Hein. C'est dommage qu'on va pas leur surf. Hein. Après c'est un rune master, liche, rune master, liche, sorcier, liche. Enfin un druide. Mais c'est un druide, c'est avec les formes, tu vois. Ouais, mais bon, c'est ennuyant. Après, c'est chaman. Et un force guard. Bientôt, tu verras un Dovachu en Void Knight. Et après, c'est rune master. Bon, je serais bah, peut-être avec le paladin. Druide, ça a l'air mieux, ouais. Il y a plus de druides, j'ai l'impression. Les primalistes, c'est quoi les premiers? Ouais, le premier c'est un druide, c'est ça, avec la forme de Ramus et la forme d'ours. Le deuxième c'est un chaman. Le troisième c'est un druide. Le quatrième c'est un beastmaster. Bah t'as dû prendre celui-là, non? Avec le scorpion. Ouais. Druide. J'ai pas compris son druide, d'abord. Bah tu peux pas. C'est ça que je me gourre, c'est que le mec il a mal placé. Le huitième, c'est un beastmaster.
avec le 8ème. Non mais le 8ème a un primaliste. Ah. C'est un Beastmaster. Enfin, si tu veux je te le mets en stream. Hein. Mais avec je te mets en stream. C'est un Beastmaster avec pas de bête. Avec pas de bête. Ah bon. Ouais, tu vas voir Rad. Ouais. The Curse, Beastmaster, il y a pas de bête. Il jouait séisme. Bizarre un peu ça, c'est séisme, c'est un truc de. Bah il a dû monter. C'est pas un truc lié au Beastmaster en fait. Bah en fait il est comme je dis, il a dû monter séisme level 15 là. Donc en fait il a. Alors, il a dû se tromper et changer après. Il a dû faire ça. Après c'est le dégât de mêlée et après il est monté là, pour monter séisme. En ouais. Plus c'est... Ah mais oui séisme c'est de la force. Oh les dégâts que ça met. Oui bah oui. 8000 dégâts par seconde. C'est pas énorme gros. Gros dis-toi le leash. En early gros il y a au moins 10 000 sur spell. Oui mais toi comme je fais des dégâts moi, il y a écrit que 7000. Rad. Quand je fais celui-là il y a écrit que 7000. C'est bien 7000 hein. Oui, mais t'as vu, avec 7000, je mets des patates à 5000. Ouais. Dis-toi que là, je fais plus mal. Si je mets le séisme. Ah bah, on regarde une vidéo, gros, des liches, tu vas halluciner, gros, ce que ça fait. Hein. Oui, mais après, tout le monde joue liche, je vois ça en plus. J'ai l'impression que le liche, en fait, c'est même pas que c'est le plus. C'est... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est surtout. Comment dire ça? Ça a l'air plus facile. Parce que j'ai l'impression de ne dropper que des trucs pour leash, moi, en fait. Je crois que j'ai quasi un full stuff leash, déjà. C'est pas grave. Ah, j'ai tellement de trucs. J'ai les anneaux et tout, hein, déjà. C'est... Tu vas voir. Je sais plus où je vais dropper. C'est un bordel, là-dedans. Je sais pas trop regarder. J'ai looté énormément, moi. C'est des carrefours et des conneries comme ça. Incroyable. Ah, Nécros et Liche. Ah, Nécros. J'en avais d'autres aussi. J'ai aussi des... Là, c'est Météor, ça fait pour le coup. Ça c'est pour voilà, je sais plus ce que faire. Ça c'est quoi? Boule de feu, donc ça c'est mage aussi. Ça c'est pour les totems. Là. Non c'est pas celui-là. Là pareil, Rad. Ça ça va être pour un sacrifice, c'est pour Liche. Ça c'est pour Liche, tu vois. Ouais. Ah non, ça c'est jamais en face quoi. Ah, horrible. Ouais, c'est votre maximum de compagnie. Donc là ils sont mal collés quoi. Ouais. J'en ai un autre. Là, ça. Un squelette en plus. Donc, ça, c'est pour les. Là, pareil, multiplicateur de critique et un sacrifice. Ah, j'ai une envie de jouer et qu'on partage les points. Après, j'ai plein de trucs pour les. Elle est pas mal d'armes quand tu le joues avec en force. Éliminer instantanément tous les ennemis qui ont moins de 22% de PV. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, je sais pas. Mais c'est pas mal. Ça, c'est pas pareil pour moi. J'aurais besoin de lancer un sort de feu pour faire la fusion de feu. Ça, c'est du feu aussi. Ça, c'est du mage. En fait, je rentre surtout du mage en fait. Là. Dégâts de feu. Feu. Moisson, ça c'est niche. Ah ben. Ça, 92% augmenté des dégâts. 25% de poussière de genre d'un impact avec moisson. Misère. Donc ça, ça c'est squelette applique dégâts de poison. Ça, niche aussi encore. Ah ben. Dégâts de nécrose. Ouais, j'ai trop de trucs de. J'ai monté plein pour ce mec. Hein. Ah, mais si j'en ai plein. Sur une bonne feuille.
vraiment ce qui est bien, c'est qu'on a plein de stages. Ça c'est cool. Ouais, tu peux avoir 200 qui me disent. Ouais, c'est bien. Bah, tu sais que les violets, je croyais que c'était que un. Je sais plus, je l'ai droppé tout à l'heure, je l'ai mis de côté. En fait, à haut level, tu dois avoir des. La rade, on peut en avoir deux de violets. Rade. Oh là là. T'imagines, voilà, t'as deux violets. Mais t'as deux violets de bâtard, t'imagines? Ouais, bah oui. Bah, de toute façon, il va avoir beaucoup de trucs, hein. Il va en avoir plein. Hein. Ah, mais c'est pour ça que t'as besoin de full stash, parce qu'en fait, tu dois avoir tellement de possibilités. Parce que des violets, j'en ramasse plus tellement que j'en ai là. Ouais, et là, t'as carrément cela. Les expérimentales avec du violet en plus. Ouais. Plus, bah, les. Ah, ce que ça fait là. Ça, c'est un Weird Wheel. Hein? En fait, plus tu le fais pex, et plus ça monte. Donc, je monte à T6 au PV d'invocation, T1, T2, T2. Ouais. En fait, ça met 10 lignes aléatoires. Donc, soit ça en rajoute sur les autres, soit ça up tes trucs. Ah, je te dis, il va falloir, hein, des potentiels, j'en ai testé un, tu vois, c'est ça, potentiel révélé. Bon, j'ai eu de la merde, hein. J'ai eu un intelligence, mais c'est ça, en gros. Ouais. Je vois. Et voilà, il y aura vraiment... Aussi, ça nous est pas mal. Mais pareil, c'est pour Lich. 5% de chance de remplir une potion quand un golem d'attaque et les sorts et attaques de vos invocations de squelettes infligent de 42 dégâts en plus. Ouais. Si j'ai récupéré. Oui, je teste là, je vais tester voir. Puis ça va me. S'en fout tester. Je vais enlever des points et je vais tester séisme, voir si ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, mais t'aurais dû me le dire. C'était où séisme? C'est là? J'en ai des points encore. J'en ai des points encore. Je l'ai enlevé juste pour tester. Alors. Il vaut combien pour sortir là? 82. Thank you.
ça va, t'as vu? Il est déjà level 10 et c'est à l'accélérer jusqu'au niveau 20 quand t'es plus de 80. Ça va, c'est vraiment très bien. Je vais le tester. Et là, tu as tapé du 50 000, 50 000, 50 000. Non, bah là, il est même pas monté, ça va être chaud. Ouais, ta gueule. Justement. Ouais. Le mec c'est le type de... qui a fait un big troll, hein. Enfin, il a un 800, hein. Après, comme je dis, je l'ai pas monté, alors qu'est-ce qu'il met avec ça? Il y a peut-être un légendaire plus cher, hein, qui prend encore. Oh. Non, après, il met écrit guerre, bon, balayage, totem de frénésie. Donc... Après, on peut pas voir ce qu'ils ont là, c'est chiant. Ouais. Après attends, j'ai pas encore, je l'ai pas monté, j'ai mis aucun point, à voir ce qu'il est, ce qu'il y a de bien. Il a un dernier point. Les répliques, on s'en fout. Les répliques, la voix des ennemis, on s'en fout. Frénésie, ça c'est plus tard. Les répliques, comme ça, c'est lorsque tu lances une autre réplique. C'est souvent que j'ai passé de ces répliques que tu comptes, mais si tu m'entends bien. Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait de dégâts en fait. Chelou. En fait, je vois pas du tout ce qu'il fait des dégâts. Bon, je pense qu'il va avoir un légendaire spécial. Ouais, ouais, je pense aussi. Qui peut faire des choses. C'est un légendaire spécial pour classe. On n'a pas l'invocation. À part le premier qui est Spellblade, t'as vu, c'est que des Remaster. Alors, le premier doit être très fort. Hein. Eh bien... C'est un Spellblade, après c'est que des Remaster. Hein. Après c'est quoi Sentinel? Oh Sentinel, ça descend vite. Bah, de toute façon je pense que le truc il est pas équilibré, hein, parce que les gens n'ont pas très hard. Je pense qu'il doit avoir des classes qui sont très puissantes. Hein. Des classes très fortes qui n'ont pas dû être étudiées jusqu'au bout. Nous les gens c'est comme d'hab, hein, c'est comme d'hab, il y a plein de gens qui font tous le même, et en fait t'as un mec caché là qui s'amuse à faire à côté. Oui. On va aller voir un arc-toi. C'est plus chaud. Il est chaud. Druide. Ah c'est druide, tu vois. Paladin. Voilà, il y a des paladins. Des marksman. Ouais,
courte. Après avoir un commis genre à 4 players, imaginons. C'est de quoi? Voilà, t'as vu Mage, Master, Beastmaster. Ouais, il y a un healer à chaque fois. Beastmaster, Beastmaster, Beastmaster. Ouais, il y a toujours une... enfin, un healer. Ah, bah non, mais
La fondation Cobus accorde une nouvelle augmentation de 15 au jeu de 10. Frappe de sang va être augmenté de 50%. Les shurikens passent de 30 à 50%. Sentinelle, c'est quoi, c'est le temps. Et ça, c'est la greffe, passe de 450 à 500. Ouais, il est prêt à le bien tuer. Frappe de force, passe de 400 à 500%. Les plus sacrés sont sur 50% de 30 000 20. Oh, ça va, ils ont l'air de bien EP toutes les classes qui étaient posées avec elles. Pas comme nous en vrai. Ouais, c'est pas comme nous. Des changements passifs pour le berger, pour le primaliste. Oh, c'était quoi ça? C'était... La version pour 4% supplémentaire ou les devins. Vers 7-8 minutes, tu vois. Vers 7 minutes. Je vais manger en même temps. Quand tu vois les sorts, ça a l'air beaucoup plus. À 7 minutes, ouais. Quand tu vois les sorts, ça a l'air beaucoup plus beau graphiquement, en fait. Ouais. Il y a 8 minutes, tu verras quand il fait ses sorts. Ouais, ça a l'air plus fluide. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est pas spécifique.
vois ou à 7 minutes ou à 8, ou à plutôt 8 minutes, vers les 8 minutes, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus beau. Tu vois, la vidéo, elle a déjà, elle est sortie à 3h, elle a déjà 5-2 minutes. C'est normal. Ouais, mais j'ai un truc qui attend. En hardcore, hardcore de fou là. Trop chaud ça, race. Malade. J'ai beaucoup de chaud là. Ah ouais, mais tu peux mettre ça. J'ai fait la nouvelle zone de LP, mec, c'est n'importe quoi les gens. Bah les mecs qui jouent avec la femme.
Alors déjà, ça fait chier, c'est un mercredi, puis en plus, gros, je suis pas là la semaine d'après, quoi. Chez ma mère, je peux jouer, je pense. Hein? Je peux jouer, je pense. Hein? Non, mercredi, je sors le jour. Et après, j'ai dit que je partais la semaine d'après. Oui, la semaine d'après, oui. C'est ce que j'ai dit. Parce que je suis ma mère, je peux jouer. Chez ma mère, je joue plus que quasi chez moi. Comme ça, ah ouais, je peux chier. Elle va avec ma mère faire les courses, les magasins. Elle se balade à deux. Voilà. Ouais, attends, mais tu vas pas emmener ton PC? Bah, pourquoi? Tu me dis, tu vas pas emmener ton PC? Bah, pourquoi? J'étais la mère, quoi. Bien, bon. Oh, il est pourri, non? Le PC, non. Bah, sinon, on prend celui-là. Ça va, elle achètera ou Jacques l'achètera.
Hein? Là, tu mets toutes les ressources à l'infini, là. Ah bah ouais, mais attends, je vais pas faire ça avec les vraies ressources du jeu, t'es malade. Je l'ai déjà fait, c'est bon. Je vois pas l'intérêt, quoi. Le prochain pixel art, tu voulais faire Thorfinn, t'as pas? Hein? Saisons vont être blindées. Ces jeux très appréciés en Amérique et en Europe, ils commencent à être déployés en Asie. Et permettez-moi de vous présenter ce grand jeu aux 5 majeurs. Ouais, à cette époque, il est vraiment dans une période que Diablo 4 est très très faible. Ah bah là, il sort pile au bon moment. Là, il sort. Le moment Diablo 4, comme tu dis, est piqué du cul. Il n'y a pas encore de PoE 2, il n'y a pas le bas, il n'y a pas le PoE 2, et surtout la nouvelle saison de PoE, c'est que dans un mois et demi, ouais, ouais. Il n'y a pas tous les mini-jeux à côté qui peuvent te prendre des, tu sais, des petits views, des petits trucs. Il n'y a pas de Torchlight prévu à part la pré-saison, mais bon, ça tu joues à pré-saison s'il n'y a pas d'autres jeux, tu vois. Bah, gros, entre le Bug et Torchlight, je vois même pas. Hein. Ça, non, il faut dire, même lui, hein, la pré-saison de Torchlight, c'est dans 3 jours. Et je pense qu'il va pas le faire. Hein. Bah oui. Donc, Torchlight n'est pas là, un December n'est pas là, Hero Siege c'est que dans un mois, quasi. Diablo 4 est complètement mort. Et PoE 2 et c'est que dans fin d'année. Et PoE ne sort pas avant fin mars, début avril. Le jeu il sort pile au bon moment. C'est pour ça que si le jeu marche, laisse tomber comme il va exploser. Du concentré, en tout cas. Oui. Ça doit toujours être depuis des mois. Sur Twitter des filles, alors je sais même pas pourquoi je vais dans l'espace. Ça commence à casser les couilles Twitter maintenant qu'ils mettent des trucs à la con. Il y a des filles qui ont des milliers d'abonnés. Leur phrase, une pute intéressée pour me casser le cul. Alors, bizarrement, 5000 vues. C'est ça, non?
Et gros, tu devrais faire des vidéos de ping-pong, hein. Pourquoi? Je regarde un mec là, il explique juste comment faire des effets avec des balles de ping-pong, très scavure. Et pourquoi tu rates ça alors que t'aimes pas ça? Je sais pas, depuis que j'ai parlé de ping-pong, mec, j'ai que des trucs de ping-pong. Ah bah on est écouté, tu le savais pas. Regarde, le mec il fait ça. J'ai vu que toi t'es top 1 ping-pong. Non, je suis pas top 1 ping-pong. Faut faire des vidéos de fou, non? Bah, c'est surtout que c'est mon point faible en plus des services. Ah ouais? Ah ouais, je suis le chef en service. Non, mais il suffit de faire des vidéos. Comment expliquer à un torpine que le ping-pong c'est du cardio? Et là, mon gars, tu fais des milliers de vues. C'est ça, lui, il a fait quand même. Regarde, encore mieux, lui. Sans doute que la vidéo. Ah, mais le ping, en fait, c'est énormément regardé. Hein. En fait, c'est pas beaucoup joué. Mais en fait, c'est pas beaucoup joué. C'est pas regardé en officiel. Mais c'est très regardé sur les beaux points. Parce que t'as des points au ping-pong, mon gars. T'as des points au ping-pong, c'est stratosphérique, mon gars. Et là, c'est là ce qu'ils fait, ils font là, dans les vidéos que je t'ai envoyé, tu sais le faire aussi? Ouais, la dernière, c'est bon, c'est du pipi de chat ce qu'il fait. C'est pas grave. De ça là. C'est plus des réflexes qu'il faut, mon gars. Des minaces qui s'envoient, les deux frères là. J'ai trouvé ta famille, Roche. Ah. Il t'a eu gaffe pour internet. Hein. Ah, là, surtout tout ce que tu montes, c'est des ch'tis. Là, c'est fou. Ah oui, c'est possible. Hein. Regarde le mec là, la vidéo depuis que j'ai envoyé. Les mecs, c'est des... Ah ouais, tout jeune en plus. Ah bah, 17 ans et 19 ans. Premier et deuxième de championnat de France, ils sont. Oh, comment il a niqué l'autre. Comment il a niqué à la fin. Mais tu sais, sur les vidéos de ping-pong, j'ai l'impression que celui qui tape toujours fort, il s'est toujours niqué à la fin. Souvent, parce que ça demande beaucoup plus de... Après, ça dépend, là, c'est surtout sur les beaux points. Sur les beaux points, celui qui tape fort, bah, il se fatigue plus, parce que mine de rien, t'as vu des pranks qui s'envoient. Ouais. Ah, celui-là que je t'envoie. Ouais. Là, c'est l'un des plus beaux points de l'année. Et dis-toi que c'est pareil, c'est l'attaquant qui... Quel point! Celui-là, il est stratosphérique de points! Ah.
Ah, j'ai 10 vidéos de ping-pong. C'est encore pire que ça, mec. Ah bah après, ça c'est les, ça, c'est les Français qu'on voit. Tu vois les Asiatiques, c'est n'importe quoi. J'ai vu une vidéo qu'il y avait un mec qui, bah, qui, je sais pas comment on s'appelle le terme, qui se match. Genre qui aurait été fort. Oui, c'est et, bien. Et le mec il tapait fort à fond, en fond, mais en permanence à droite. Et son adversaire, à un moment, il leur a envoyé tout à droite. Et à un moment, il a envoyé à gauche. Le mec a rien compris. Il a perdu. Mais le ping, c'est un sport. C'est super dur, en fait. C'est moi, ayant fait du, pas mal de sport quasi à haut niveau, pour moi, c'est un des sports les plus durs parce qu'il y a trop de variantes, en fait, dans le ping. C'est n'importe quoi. En fait, il y a trop de trucs qui changent, c'est... Vous pouvez pas non plus le faire, c'est que t'as pas de réflexe, c'est pas du ping, quoi. C'est même pas ça, c'est... Déjà, il te faut un peu de réflexe, mais c'est même pas ça, en fait. C'est qu'en fait, il y a tout qui change, le ping. C'est ignoble. Alors, je sais pas si t'as fait des sports de raquettes, hein. Ouais, à l'école. Mais tu vois, au badminton, c'est un volant, une raquette qui sera plus ou moins tendue, et c'est boum, 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 boum. Le tennis c'est pareil, les raquettes elles sont quasi toutes les mêmes et c'est pareil, c'est les mêmes bases, c'est les mêmes raquettes. Il y a que les... au tennis par contre il y a les surfaces qui changent, tu vois. Ouais. Au ping-pong il y a tout. T'as le droit de jouer avec trois balles différentes, chaque balle a un rebond différent, chaque salle selon comment tu es, il y a des salles tu joues dans des genre dans des t'as des vraies salles de ping-pong, ça va. Mais t'as des salles où des fois ils jouent, les mecs ils jouent dans un gymnase, tu vois. Donc le sol est dur. Donc s'il est dur et que la table est dessus, le rebond sera plus impactant. Vu que t'es sur une surface très dure, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si t'es sur une surface un peu plus plate, ben, la balle va moins rebondir. Il y a mais ça à bas niveau, on le voit pas, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais là, moi, que plus je monte et plus je joue d'effort, je commence à sentir la différence, tu vois. Et le pire, c'est les raquettes au ping-pong. En fait, au ping-pong... Moi, j'avais... quand je faisais du ping-pong en compète, dans un club et tout, tu sais, le problème, c'est que moi, chez moi, tu sais, je m'entraînais tout seul, tu vois, sur la table. Ouais. Et sauf que moi, c'était une table en métal. Et dans les oui, compètes, c'est des tables en bois. Ah, mais l'horreur. Ouais, ça dépend où, en fait. Hein. Mm. Et en fait, il y a trop de trucs qui sont produits prêts. Et après, le plus qui est pris en compte... Regarde Roche. Elle est marrante cette vidéo, par contre. Ah oui, j'ai déjà vu, ouais. Et... Oh putain. Ah, il y en a, ils font des... En fait, je pense que là, vu que le mec, il a vu qu'il allait perdre, il s'est dit, vas-y, tant pis. Et tu me dis qu'il faut pas du cardio pour faire ça? Non, non, ça mais fait là, il y a... pour l'autre. C'est des esprits, là, enfin. Ah non, non, c'est un championnat, ça. Oui, à la fin, il faut esprit, oui. Mais c'est dans un vrai match, ça. Ouais, j'ai vu. Mais ce que je veux te dire, c'est que, en fait, ce qui change énormément au ping, comme je suis, c'est les raquettes. En fait, au ping, il y a 4 ou 5 sortes de raquettes. On compte pas celle des 4 ans, ça, c'est des raquettes pourries, mais... T'as les raquettes comme je joue moi, où c'est des attaquants, des bloqueurs. T'as les trucs de picot, comme ils expliquent. En fait, c'est des raquettes avec des petits trous. Et en fait, quand tu tapes la raquette, ça fait ralentir la balle obligatoirement. Après, t'as les anti-top, comme ils disent. Alors ça veut dire que quand tu tapes fort, ça fait voler la balle. Et après, t'as les soft. Ça, c'est fait pour que la balle rebondisse plus haut. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde joue quasi avec des raquettes normales, mais t'as les vieux, bah, vu qu'ils ont plus de... On va dire, ils sont moins réflexes et tout, ils jouent avec les picots. Donc toi, t'attaques, ça ralentit la balle, au lieu qu'elle t'arrive en fond de table, tu vois, elle va derrière le filet, donc c'est dégueulasse, tu peux pas attaquer. Et en fait, ça, au ping, c'est ignoble, parce qu'en fait, il faut que tu t'adaptes à tous les jeux pour monter. Donc il faut que t'arrives à savoir attaquer sur des balles qui rebondissent pas, sur des balles qui rebondissent plus haut que prévu. Et tu sais, c'est comme tous les sports. Quand t'es habitué à un truc, on te le change. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas pareil. Mais c'est. Tu joues au foot avec un ballon de taille 5, un vrai ballon. Regarde, demain, on te...
Demain, on te met un ballon de handball, c'est plus la même. Et tout ça, ça fait que c'est... Elle est étonnante, là, par contre. Ah oui. Tu sais que j'ai perdu quasi comme ça ce week-end? Ouais. En fait, ce week-end, je gagnais contre un mec qui était plus classé que moi. Et sur la balle de match, sur ma balle de match, en 5-7, je gagnais 11-10. Comme je dis, ça va, maintenant ça va à 11 avec 2 points d'écart. À 11-10 voilà. Pour moi. Finito. À 11-10 pour moi. Tu vois le rebord de la table du fond? Ouais. Ben, le mec en vert, il a fait comme lui. En fait, il a cru qu'il avait perdu. En fait, moi, il a tiré la balle en l'air. En fait, il s'est raté. Il a raté la balle. Enfin, il a touché la balle avec le rebord de sa raquette. La balle est partie tellement haut. Lui, il a commencé à dire, tu vois sa tête, il est dégoûté. Tout le monde applaudit que j'ai gagné le match. On va quitter le stream. Je me retourne. La balle est retourne, on entend. Bonne soirée sur le live. En fait, bye bye. À demain pour un nouveau Pixel Art. T'es dégoûté. Ah bah oui. Ah bah oui,